Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo, Mike. Et aujourd'hui, je vais vous annoncer la date de sortie du DLC 5 de Black Ops 3, donc le DLC Chronicles. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire que Jason Blundell a fait son annonce sur la chaîne GC Backfire là. Donc voilà. Si vous voulez aller voir son live, il est ici. Il dure 26 minutes. Donc c'est pas un live, c'était une vidéo qu'ils ont enregistrée et qu'ils ont postée. Alors, ça en anglais, bien sûr, il n'y a pas de sous-titres. Si vous voulez une traduction, je vous présente Mabzouels. Je ne sais pas si vous connaissez. Grosse dédicace à lui. Il a fait. Je crois qu'il est toujours en live, de toute façon. Ouais, il est toujours en live. Donc, Mabzouels, il a fait une traduction sur sa chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Donc, grosse dédicace à toi, Mabzouels. Merci de la traduction. Ça m'a bien aidé. Donc, voilà, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est dit. Donc, j'ai la date. Le prix, on l'a pas. J'ai les maps et voilà. Et j'ai un truc que je vais vous montrer après. Donc, Jason Blundell, ils ont dit qu'ils étaient super emballés par la création du DLC 5. Ils ont dit que le DLC 5 était déjà prévu bien avant que Révélation ne soit sorti. Donc voilà, ça fait un moment qu'ils le savent et qu'ils travaillent dessus. Ils ont dit qu'ils étaient tellement. Enfin, ils sont emballés par la création de ce DLC 5. Et qu'ils ont carrément eu du mal à choisir les maps qu'ils devaient mettre dans ce DLC 5. Ils ont dit que ce DLC 5 était très très important pour l'histoire du mode zombie. Donc soit il fait par rapport, il fait allusion soit par rapport aux nouveaux joueurs qui viennent de découvrir Black Ops. Donc soit il veut dire que par là, ben, tous les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver sur Black Ops 3 et ben, pourront jouer aux maps qui ont lancé Black Ops, quoi, l'histoire de Treyarch. Ou alors, il veut peut-être insinuer que le DLC 5, dans le DLC 5, il y aura plein d'easter eggs, plein de secrets pour mettre un fin à l'histoire du zombie de Treyarch. Donc voilà, je ne sais pas du tout, il n'a pas annoncé de trucs sur le secret, il n'a rien dit sur le secret. Il a juste dit ça, que le DLC 5 était super super important pour l'histoire du mode zombie. Après, il a dit aussi que la cinématique de révélation, donc de la cinématique de fin de la dernière map sur Black Ops 3, donc Révélation, et ben cette vidéo, donc cette cinématique de fin a été créée et elle a été voulue. Donc est-ce, je comprends pas trop ce qu'il a voulu dire par là. Donc soit ce qu'il voulait dire c'est que voilà, la fin elle est nulle, donc ça a fait parler blindés, la communauté elle était déçue, mais peut-être que c'est voulu. Comme il le dit, c'est voulu parce que voilà, il y a un DLC 5. Ou alors, ben, je comprends pas pourquoi il a dit ça. Alors, tout simplement, moi je pense que c'est parce que voilà, il y a un DLC 5 et il y a une nouvelle histoire. Enfin, moi je suis sûr et certain que ça va être ça. Enfin, bref, il a dit aussi qu'il adorait la communauté zombie parce que on est vraiment passionné du zombie. Donc, que ce soit pour faire des manches ou pour le secret, on est vraiment passionné, on veut tout savoir. On cherche des heures, on cherche des heures. Il y a de la hype autour de ça, un truc de fou. Donc, voilà. Et attendez, je regarde si j'ai bien tout dit. Donc voilà, les maps exactes. Donc là, je vais vous les montrer. Les maps exactes, c'est donc attendez, les maps exactes, c'est bien celles qui ont été annoncées, donc que j'ai annoncées et que plusieurs youtubeurs ont annoncé il y a un jour, je crois. C'était hier, ouais, hier ou avant-hier, je sais plus. Non, c'était hier. Donc les 8 maps remasterisées sont bien Kino der Toten, Ascension, Shangri-La, Origin, Moon, Nach der Untoten, Verrückt et Shinonuma. C'est bien les 8 maps remasterisées, elles sont officielles. C'est officiel, le DLC de Call of Duty Chronicle est officiel. Donc regardez, là je vais vous mettre la vidéo de JC Backfire et je vais vous montrer. Donc attendez, hop, voilà, je vais vous montrer, regardez son t-shirt, rien que son t-shirt. Il fait, attendez, il fait carrément, attendez, vous allez voir. Regardez, là il a le t-shirt fermé, enfin le sweat fermé. Et regarde, là comme s'il avait chaud, franchement c'est trop stylé. Vous allez voir, regardez. Regardez, là il va bientôt le faire, attendez. Enfin, je crois. Ouais, voilà, c'est à ce moment-là. Donc là il ouvre son t-shirt au calme. Voilà, il fait le malin. Excellent. Franchement, l'annonce, enfin la vidéo, franchement c'est super bien parce qu'on dirait deux grands gamins et tout. Franchement ça déchire, regardez son sourire et tout, il est tout content. L'autre il est tout content aussi.
Celui-là, il a gagné. Il était à 100 000 abonnés il y a 2 semaines, genre. Donc il a peut-être gagné 70 000 abonnés en un jour. Regardez, en même pas une heure, la vidéo elle a fait 60 000 vues, c'est un truc de fou. Donc voilà. Alors il a annoncé, donc là, la date officielle. Ce n'est pas le 27 juin, les amis, ce n'est pas ça. C'est un truc de fou. Je comprends même pas comment ça se fait que Amazon et tout ça ont mis 27 juin. Parce qu'en réalité, le DLC sort le 16 mai, les potos. Le 16 mai, c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, le DLC sort. C'est un truc de fou. Dans 14 jours, les potos, c'est hallucinant. Je suis déjà impatient. Et aussi, ils ont dit que lundi, donc lundi qui va arriver là, je sais pas c'est quand, attendez, je regarde la date. Lundi, on sera le 8 mai. Eh ben, il y aura sur la chaîne de Treyarch. Donc, vous tapez tout simplement, vous tapez ici, ben vous tapez Treyarch. Hein, et vous allez sur leur chaîne. Et lundi, je sais pas à quelle heure, ils ont pas dit, mais il y aura la chaîne, enfin, il y aura un live. Treyarch. Voilà, Treyarch. Donc, je suppose que. Normalement ça devrait aller. Ouais voilà c'est ça, Treyarch tout simplement, tout court, chaîne officielle, 511 000 abonnés. Donc voilà, ils vont faire un live lundi, je sais pas à quelle heure, mais ils vont sûrement faire vers 19h hein, je pense, à chaque fois c'est comme ça. Ou 18h, 19h, ils feront un live sur Black Ops 3, donc sur la map, sur le DLC Chronicle tout simplement. Donc, voilà, on peut voir qu'il y a pas mal de hype autour de ça, donc c'est stylé. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi. Donc je sais pas si, moi je pense que le DLC va coûter 25€, mais c'est pas sûr, ils l'ont pas officialisé. Et aussi il a fait une dernière petite annonce, enfin il a présenté un truc, donc je vais vous le montrer directement. Voilà, c'est ici. Donc là il est venu, en fait, dans cette image, donc je vais essayer de vous le mettre au montage, il y a plein de petites images, là on peut voir un loup, là on peut voir une arme. Là, on peut voir... Enfin, il y a plein de petites images. Donc, en fait, ce poster, c'est l'histoire du monde, du mode zombie entièrement. C'est toute l'histoire du mode zombie en un poster. Donc, là, les images, elles ont été déjà dévoilées sur les chaînes américaines de Monsieur Wolf et Monsieur Dalek et Noaji, etc., etc. Donc, il y a déjà pas mal de YouTubeurs qui ont reçu que tout simplement Treyarch a envoyé les photos. Et ils les ont publiés sur des vidéos. Donc je vais essayer de récupérer les images et vous les mettre dans cette vidéo. Comme ça vous verrez un peu les images. Mais par contre, apparemment, parce que JC Backfear là, eh ben, il s'est rapproché du poster et il a commencé à lire. Et je sais pas, mais on dirait que. Enfin voilà, je sais pas s'il y a des écritures ou quoi, mais il a commencé à lire. Et puis Jason Blundell, il a dit stop. On n'en dit pas plus et tout ça. Je sais pas ce qu'il a dit, donc si vous parlez anglais, bah, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et n'hésite pas à mettre un commentaire si tu as découvert des choses en plus. Donc dans la description de cette vidéo, n'hésite pas à mettre tes commentaires. Donc voilà. Alors je vais essayer de vous mettre un maximum d'images pendant que. Voilà. Au montage. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc le 16 mai. La sortie officielle, donc c'est bien officiel, hein, c'est pas du fake. Donc toutes les fausses, tous les gens qui n'y croyaient pas, ben voilà, vous êtes baisés parce que on avait raison et vous aviez tort, tout simplement. Donc il y aura la sortie officielle le 16 mai. Je pense que ça coûtera 25€, mais je suis pas sûr. Hein, c'est ce que moi je pense. Il y aura un live lundi à 13h, à 19h, je pense, plus ou moins 19h, 18h, sur la chaîne Treyarch. Donc il y aura un live du DLC Chronicle. Donc à mon avis, il y aura à ce moment-là un trailer plus. Un gameplay sur les maps. Donc les 8 maps, je répète, c'est bien. Les 8 maps sont bien Kino der Toten, Ascension, Shangri-La, Origin, Moon, Natch der Untoten, Verrückt et Shinonuma. Et voilà, je pense que j'ai fait tout. Ouais, voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et ces informations vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo, à partager un maximum. Et si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, merci à tous ceux qui likeront, merci à tous ceux qui s'abonnent. Et merci à tous de votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Allez, ciao, peace. Yummy, bruh.